L'opération de ramassage d'armes dans le département du Pôle, lancée théoriquement le 7 août, entrera peut-être sous peu dans sa phase pratique. Mardi, Frédéric Bintsamou, alias Pasteur Ntoumi, l'ex-chef rebelle, a adhéré au processus. C'était lors de sa rencontre à Miété, à plus de 100 km au sud de Brazzaville, avec les responsables de la commission chargée du suivi des accords de paix du 23 décembre, venus solliciter son implication. Nous voulons travailler à ce que l'image qui est la vôtre soit présentée autrement, par rapport à ce que l'opinion pense. Voilà pourquoi je suis ici. Mais je viens auprès de vous solliciter votre appel à la paix, votre appel au ramassage des armes. Une requête à laquelle le pasteur Ntoumi a donné une suite favorable, non sans poser des conditions. Donc si vous m'avez encore vu vivant, c'est pas à cause des armes. Mais c'est Dieu qui m'a protégé. Et c'est pourquoi on s'est encore vu. Je dis non. Mais puisque on peut remettre une arme, mais la situation qui a provoqué que un tel prenne une arme, si on ne l'a pas réglée, finalement c'est comme si ce qu'on a fait, on était comme des animaux seulement qui se sont battus. Je viendrai à Mayama pour lancer le désarmement. Mais faites concomitamment. Les combattants ninjas du pasteur Ntoumi semblent avoir aussi compris l'intérêt de la paix. La guerre, c'est la destruction. La paix, c'est la reconstruction. Donc, tel que nous sommes en paix ici-là, ça va bien. Les autorités estiment à 3000 le nombre d'armes de tout calibre à collecter et à détruire dans 15 sites répartis dans le Pôle.